Pinto. One again in the best of fly. Pinto. I win the world whole heavy gear. Pinto. Win the sink for the break here. Press down. Pinto. A Jamaica, we hit the world. Pinto. Win the break here, sacred. Pinto. My legs win, success with me. Press down. Pinto, press down. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Pento Prestart sur le jeu WWRC. WWRC, c'est n'importe quoi. Sur le jeu WRC, je ne sais plus. Alors attends. Power Slide. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pento Prestart sur le jeu WRC Power Slide. Un jeu, en fait, que j'ai connu aujourd'hui, je vais pas vous le cacher, c'était, voilà, j'ai fait un petit article de membre, que je mettrai le lien dans l'article GGA, qui est associé à cette vidéo, hein. Je mettrai d'ailleurs le lien de cet article sous la vidéo, enfin vous comprendrez, en cliquant sur les liens, ne vous inquiétez pas. Et voilà, bah, j'ai fait un petit article sur un ancien jeu sur lequel je jouais dans une salle d'arcade, qui était déjà à l'époque WRC Championship, fait par des Espagnols, je crois. Voilà, donc c'était un jeu de rallye qui se voyait, qu'on voyait en vue de dessus en fait, que je trouvais super énergique. Bah, vous n'avez qu'à lire l'article pour savoir de quoi il est question. Et puis, bah, au final, je suis tombé sur... Alors franchement, j'en avais même pas entendu parler. D'ailleurs, j'ai vu sous certaines vidéos, le jeu s'est fait pas mal critiquer. Là, je parle vraiment de celui sur lequel on est en train de jouer, là, celui que vous êtes en train de voir. Voilà, donc c'est un nouveau jeu de rallye en vue de dessus, et qui va proposer la même chose, hein, de rouler sur la neige, sur la terre, et puis là j'ai vu il y a des éclairs, machin, donc ça va être un peu arcade quand même, mais j'ai voulu tester ça. Il s'est fait casser sous les vidéos que j'ai pu voir, moi je pense qu'il va vraiment me plaire. Voilà, là on est vraiment au tout début du jeu, hein, donc j'ai qu'une voiture de libre, j'ai mis les collisions, tout ça, on va voir, hein, ça a l'air d'être super sympa. Alors on va le découvrir ensemble, hein. Maintenez RT pour accélérer, logique, on est sur Xbox. Il existe aussi sur le PSN. Maintenez LT pour freiner, tournez avec le volant, voilà, c'est le genre de jeu super simple. D'accord, j'avais pas vu qu'il y avait une suite. Vous êtes sorti de la piste, vous êtes bloqué, d'accord, Y. Merci, j'ai absolument même pas demandé de m'enlever les boutons, c'est pas grave, on va essayer de... Non, on va quand même retourner dans les boutons pour comprendre ce qu'il se passe. Alors, il y a des options. Les commandes, on va revoir un petit peu tout ça, donc tourner, d'accord, pause, frein à main, B, ce qui doit être très important, le frein à main dans ce genre de jeu. Les bonus, je pense que c'est un peu à la Mario Kart, on doit choper des bonus pour aller plus vite, on verra comment ça se passe. Accélérer, freiner, d'accord, bon, en fait il y a juste ça. Alors on va attaquer, reprendre, hop. Alors c'est le genre de jeu en fait qui me fait un peu penser à Trial HD. Pourquoi? Alors moi je suis solo, wow, ok. Qui me fait un peu penser à Trial HD parce que bah, c'est un peu un jeu à l'ancienne qui est remis au goût du jour, quoi. Trial HD, c'est les vieux jeux de moto vus de côté, là, remis en 3D. Et ben là, voilà, bah, l'article que j'ai fait ce matin sur déjà WRC de l'époque, hop, allez, par l'intérieur. Oulala, quel dommage. J'ai déjà perdu, d'accord, un pare-choc. Et voilà, bah c'est un petit peu reprendre le principe de ce vieux WRC pour le remettre au goût du jour. Et bon, bah je vous avoue, j'ai jamais joué, par contre j'ai vu des vidéos sur le jeu et je le trouve quand même assez génial, hein. Donc on va un petit peu voir ce que c'est. Ah voilà, là je lui ai mis un nuage, donc ça se joue un petit peu à la Mario Kart, hein, visiblement. Mais vous pouvez choisir de jouer, il vous le propose au début. Vous pouvez choisir de jouer en fait sans les dégâts et puis sans les icônes à récupérer, en fait des petites crasses à faire aux joueurs qu'il y a en face. Niveau graphisme, je le trouve vraiment pas mal, hein. D'ailleurs c'est un petit peu comme ce jeu de l'époque, voilà, là je viens de passer sous un pont. Il va falloir... ah, là je crains rien. Il va falloir faire attention aux obstacles qu'il y a sur la route, à mon avis, là je suis en train... Je sais pas si vous entendez la manette qui vibre, mais je suis en train de pas mal toucher les bords. À mon avis, il va pas falloir trop faire ça. Ok, c'est où là? D'accord. Oulala. Donc, on voit qu'il y a quand même des passages qui peuvent surprendre. Avouez que vous n'aviez vous-même pas vu qu'il fallait tourner à gauche dans la grosse épingle. Voilà, bah c'est comme là.
En fait, je pense que bah, c'est un peu comme tout jeu, hein. Il va falloir connaître aussi un petit peu les tracés par cœur pour qu'il y ait vraiment du challenge. Alors, dites-vous que je viens de le télécharger, je ne sais absolument pas s'il se joue à plusieurs. Enfin, à plusieurs, je pense qu'en ligne, c'est sûr. Mais sur le même écran, je ne sais pas si c'est possible, comme un bon petit Trial HD. Je pense que oui. On va dire que oui au hasard, mais ne suivez pas cette... Oh là 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 là, ma zette. Ne suivez pas cette information que je viens de... Ça se trouve d'inventer. Hop. Allez, voilà. Là je viens de l'envoyer sur le qui-vive. Alors, moi aussi, je voulais vous faire un petit mot, hein, parce que c'est... Je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de ce Pento Prestart. Parce que c'est vrai que je n'en pose plus beaucoup comme avant, mais ça, bon, il y a plusieurs raisons, hein, tout simplement déjà qu'il n'y a pas spécialement des grosses sorties en ce moment qui me donnent envie de vous faire des vidéos. Pourtant, je joue à des jeux, hein, bah, je fais plus des articles sur les jeux auxquels je joue que des vidéos. Et puis, comme je l'ai déjà dit dans les derniers épisodes de Pento Prestart, j'ai une nouvelle chaîne aussi qui est J'irai geeker chez vous et qui prend pas mal de temps. Tout simplement, bah, pas spécialement préparer les émissions, mais voilà, il y en a une, j'ai une émission de J'irai geeker chez vous avec Magic Street 73 que j'ai toujours pas pu finir de réaliser, que j'espère qu'un jour qu'il va trouver un petit peu son intégralité, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, ça me fait plaisir de revenir sur des jeux comme ce WRC. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il s'est fait pas mal casser sur le net. Pourquoi ? Parce que voilà, les commentaires que vous allez pouvoir lire dessous, sous les vidéos, ça va être... Alors, je reprends juste après, hein, pour les vidéos sur le net, on voit qu'est-ce que j'ai gagné. C'est pour voir qu'est-ce qu'on gagne à l'issue d'une course. Déjà, on gagne la première place, une coupe j'imagine, et puis, je sais pas, ça se trouve une nouvelle voiture. On verra par la suite. Donc, ce qui apparaît sous les vidéos, voilà, 2% du jeu, on peut déjà voir... La durée de vie du jeu, bon, il est à 15€, hein, c'est 1200 points, donc si je calcule bien, ça doit être ça. Et 1200 points Xbox Live, PSN, c'est l'équivalent de... C'est vrai que j'achète pas souvent sur PSN, je suis désolé. 2% du jeu, là que je viens de jouer quoi, les 10 minutes, 5 minutes, bon. Au moins pour cette partie, déjà, 5 minutes x 10 x 5, allez, 50, ça fait déjà du bon 4 heures de jeu, rien que faire ça, à mon avis. Enfin bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc voilà, il s'est fait casser sous les vidéos. Ah, bah j'ai pas de classe de difficulté, d'accord. Non, bah écoutez, on va le refaire. Hein. Ah oui, d'accord. Il faut que je fasse la classe 2 maintenant, classe 3. 1 sur 25. Équipe disponible. Je sais, classe 2. Et d'accord, ça change de voiture. En fait, ah oui, d'accord, en fait, il y a plusieurs circuits. Sur lesquels on va pouvoir courir avec plusieurs voitures, donc plusieurs classes. Il va falloir gagner les médailles de plusieurs classes. Donc visiblement, là, on va voir dans cette vidéo qu'un seul circuit. De toute façon, je vous referai un PPS, hein, comme d'hab, hein, si vraiment le jeu est bien, que j'ai loupé quelque chose à vous dire dans celle-ci, on refera voilà, la joie du sable, tout ça, on en refera. Hein. Là, on va voir la même course, c'est pas grave. Comme ça, on va voir si vraiment j'arrive à m'améliorer d'un tour à l'autre. Et pour en revenir au cassage sur le net, donc ce qu'on peut lire, c'est oui, pourquoi vous vous embêtez... j'ai pas pu en bénéficier. Pourquoi vous vous embêtez à créer un jeu comme ça, assez arcade, alors que nous, on veut de la simulation. À savoir que franchement, moi, un jeu comme ça, je le trouve super nerveux déjà. C'est comme à l'époque, c'est ça qui me plaît d'ailleurs, je le trouve super nerveux. C'est sûr que bon, on va pas appeler ça une simulation, mais je trouve que ça change un petit peu niveau jeu de rallye. Avec le joystick, c'est super simple à faire. C'est vrai qu'on n'a pas vu spécialement beaucoup de jeux en vue de dessus en rallye sur les consoles d'avant, parce qu'il n'y avait pas spécialement de joystick, hein. Bien sûr, je parle avant Dreamcast, etc. Et c'est vrai que jouer à des jeux comme ça, avec une croix multidirectionnelle, comme j'ai mis dans l'autre article, c'est un peu mission impossible, quoi. Maintenant, avec les joysticks, bon, ça... C'est pas ce qui va éviter de me faire des boîtes, c'est pas grave. Mais avec les joysticks, c'est vrai que c'est super simple de conduire en vue de dessus. Et moi, les jeux de rallye comme ça, en fait, finalement, j'adore. Et quand je vois le résultat que ça peut donner pour une sortie en 2013, hein, parce que ce jeu-là est sorti au mois de mai, je crois bien. Mais je trouve ça vraiment énorme. Hein. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, un peu comme Trial HD. C'est une excellente évolution de jeu basique, j'ai envie de dire, tout simplement.
Bon bah là il y a un petit trip Mario Kart hein, qu'il n'y avait pas avant. D'ailleurs avant dans le jeu de 1993 dont je vous parle depuis le début, c'est vrai que c'était un jeu bah, plutôt sérieux, qui se jouait pas à plusieurs, et forcément bah, il n'y avait pas de fight comme ça, mais ça donne un petit plus hein, et c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal de transformer ça, et donc c'est pour ça que j'aimerais bien, j'ai encore pas vérifié l'info, je la vérifierai après avoir tourné la vidéo, donc forcément ce sera dans l'article. J'ai encore pas vérifié si le jeu se joue à plusieurs sur la même console, franchement j'espère, parce qu'il y a vraiment moyen de se taper du petit trip à la Mario Kart. Voilà, et je trouve ça super sympa, surtout que c'est les vrais noms, hein. Bon bah vous connaissez pas spécialement les coureurs qu'il y a dans les voitures là, mais... Dites-vous bien qu'il y a même Sébastien Loeb dans le jeu, quoi. Donc c'est pour dire que ça reste quand même un jeu de passionné. Et voilà. Donc bah, pour résumer, bon petit jeu tranquillou, hein, bah, 15€. Donc franchement, vous allez acheter des jeux à 60€ qui vont moins vous passionner que celui-ci. Moi, je vous conseille fortement de le prendre. En même temps, bah, là, oh là là, accident. J'ai fait deux fois la même map, c'est pas trop grave, parce qu'en même temps, c'est vrai que comme c'est un petit jeu à 15€, il va pas non plus faire 60 heures, alors ça permet de pas trop spoiler les maps, et vous voyez que bah voilà, là c'est les premières fois que je fais les courses. Je dis pas que je suis une star, bien au contraire, hein, la preuve je suis encore deuxième et j'arrête pas de me faire des boîtes, mais la prise en main est assez simple et efficace, quoi. Donc pas besoin de connaître la piste au début pour s'éclater, hein, c'est ce que je veux dire. Et c'est souvent d'ailleurs un double tranc. Oula. Allez, s'il te plaît, lâche-moi avant que je capitule. Et voilà, il y a des jeux qui sont chiants au début, hein, des jeux de course, parce que justement, il faut connaître un peu, je dirais même comme Gran Turismo ou Forza, il faut connaître la course par cœur pour après commencer à faire du temps, peut-être au bout de 2 mois, allez. Et puis être en compète avec ses potes, machin. Bon, bah, ce jeu-là, il est à prendre. Bravo. Il est un petit peu à prendre de deux façons, hein, très arcade, et puis bah, si on veut, on peut très bien jouer à la Mario Kart, enfin très arcade, oui, très simulation, ou très où on va jouer le temps, et puis sinon bah, très arcade où on va jouer plutôt la baston. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. J'ai pas eu l'impression qu'elle ait été trop longue, mais ça me fait plaisir de vous retrouver un petit peu. En même temps, cette période de l'année, faut pas non plus... Enfin voilà, c'est pas la période la plus active du site Good Game All, mais quand même, hein, en ce moment, il se passe pas mal de choses. Je vous propose d'aller d'ailleurs voir ce qui se passe sur nos pages, et je vous dis à très bientôt sur un petit Pento Prestart, ou pourquoi pas un petit jeu à la ZOB. Tiens, ça aussi, ça fait longtemps, et je suis en train de lire le livre de Marcus, et ça me donne envie de refaire des jeux que j'avais totalement zappé. Je vous dis ciao, à la prochaine.